Coblenz, the place to be. Normalement, on a un expert en live, là. Eh ben salut, un nouvel invité sur le plateau, qui est à la fois un conférencier et un exposant, Alexandre Stopnicki. Salut. Salut, bonjour. Voilà, je suis passé voir ton stand tout à l'heure, 3h33. Alors, évidemment, j'ai eu envie de te demander ce que voulait dire 3h33. Et toi, tu vas nous raconter ça après. Toi, tu es un spécialiste du métaverse. Quand je dis un spécialiste, le spécialiste du métaverse et de l'intelligence artificielle. Et j'ai vu qu'il y avait un petit chat derrière toi sur ton stand qui m'a fait mourir de rire. Oui, allez le voir sur le stand d'Alexandre. Il y a un chat GPT qui vaut le déplacement. Alors, ton univers, le métaverse, toi. Il a été fabriqué avec une intelligence artificielle, bien évidemment, ce chat. Il est tellement mignon. Alors, le métaverse, ça commence il y a très longtemps. C'est ça qui est assez étonnant. On a oublié. Et Canal+, et j'ai participé à cette aventure dans les années 90, avait créé, je pense, le premier métaverse au monde. Ça s'appelait le deuxième monde. Et ça ressemble au métaverse qu'on a aujourd'hui. On pouvait se déplacer, on pouvait connecter avec d'autres personnes, on créait une communauté, on pouvait discuter avec des gens. Et moi, j'avais été mandaté par Canal+ pour créer des boutiques. Et on a inventé des boutiques en 3D. Et on avait des boutiques en 3D dans lesquelles on pouvait aller acheter des produits, on pouvait communiquer avec des gens, faire de la communication. Donc ça existe depuis très longtemps. C'était hyper visionnaire. Dans les années 90. C'était hyper visionnaire, ouais. Et il y a un article dans le Journal du Monde que je vous recommande, que vous pouvez retrouver sûrement en cherchant sur leur site, qui a relaté cette histoire pour montrer à quel point on était les premiers avec Canal+ à fabriquer ce premier métaverse. Et alors la connexion entre ta passion et le fait que tu es un spécialiste, le spécialiste du métaverse, et ta présence sur ce genre de salon, elle se fait comment? Quelle est la jonction? La jonction, elle est sur les boutiques, puisque dans les métaverses, on va avoir des boutiques, il y a du retail. Donc ces boutiques en 3D, il y a des marques. Quand on a des marques, on a des licences. Donc la logique, elle est autour des marques et des licences. Comment on marie une licence 3D peut-être? Comment on marie en fait des objets qui n'ont pas pour destination d'être virtuels? Est-ce que le virtuel et le réel vont s'accoupler de façon intelligente ou pas? Et c'est ce qu'on pense. Donc il faut accompagner des marques, il faut leur expliquer ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent pas faire, où sont les limites, ce que vont faire leurs nouveaux acheteurs. L'expérience immersive dans ces mondes, elle est un peu différente. Ce qui va nous amener à faire la connexion demain quand tu vas faire ta conférence avec à la fois des gens du, comme toi, du métaverse, mais aussi des gens qui vont parler des NFT, parce que tout ça va se croiser entre le réel vendu sur métaverse pour être utilisé dans le monde réel, mais aussi l'immatériel vendu dans le monde immatériel et qui va finir par être acheté par des gens du monde réel. Donc tout ça va se mélanger d'une façon assez étonnante. C'est une nouvelle expérience commerciale. On peut avoir des objets virtuels. Alors les gamers le savent depuis longtemps, ils achètent des armes, ils achètent des tenues. Et donc, évidemment, les marques ont compris qu'elles pouvaient vendre de nouveaux produits qui n'existaient pas, qui sont des produits virtuels. Et donc, on peut accompagner une robe, on peut accompagner une bouteille de vin, on peut accompagner n'importe quel objet réel d'un objet virtuel qui va apporter soit un service supplémentaire, ça c'est possible. Par exemple, avec des bouteilles de vin, on peut avoir la conservation. Et on peut avoir avec des NFT qui vont nous garantir l'unicité de sa bouteille et aussi la propriété de la bouteille. Donc, il y a tout un tas d'usages, tout nouveau, on va réinventer. Que certaines personnes ont déjà utilisé dans les jeux vidéo, évidemment faire le pas vers les marques. On peut avoir des habits virtuels. Non mais je vais m'acheter un skin Gucci sur League of Legends. Exactement. Non mais si on pousse le jeu loin, ça existe déjà. Je suis pas suffisamment sur LOL pour le savoir. Ce qui est un peu compliqué, c'est que pour l'instant, il y a plusieurs espaces qui cohabitent ensemble. Mais il y a des startups qui sont assez malines et qui se sont dit, tiens, on va faire des portails. Donc quand vous êtes dans un univers en immersion chez Roblox, vous pouvez avoir un portail qui vous envoie vers un autre univers. Et un truc qui doit être pris en compte, et ça doit intéresser à mon avis tous les gens du salon, etc., c'est à quelle vitesse c'est en train de se passer ça. C'est-à-dire à quel moment il va falloir que je monte dans le train pour être certain de ne pas le laisser partir sur moi. Parce qu'on a toujours l'impression que le train va partir, et est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas? Est-ce qu'aujourd'hui je suis un détenteur de droits? Est-ce qu'il faut déjà que je sois en train de regarder ce qui se passe dans l'univers en me disant le train va partir? Alors tu parles de train, j'aime bien, parce qu'en fait mon image c'est, on est déjà dans le TGV, mais c'est la très grande virtualisation en fait, le V. Tu vois, c'est une vitesse aussi, mais c'est qu'on est en train de tout virtualiser. Alors est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller? Ça dépend de chaque marque. Est-ce qu'il faut avoir une boutique sur les Champs-Élysées? Est-ce qu'il faut avoir une boutique en province? Est-ce qu'il faut pas de boutique et un site internet? C'est le même type de question, ça va dépendre des services, des produits que l'on veut commercialiser, du public et de l'expérience qu'on veut avoir. On peut le faire, c'est surtout ça qu'il faut savoir. C'est de plus en plus simple, la technologie nous offre des opportunités qui n'existaient pas. Maintenant c'est très simple, il suffit de le décider.
c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on nous explique souvent en nous disant « Oh là là, attention, il y a besoin ». Non, c'est simple, c'est comme surfer sur Internet, mais on utilise d'autres technologies qui sont de plus en plus transparentes et on peut rebondir 2 secondes sur l'intelligence artificielle qui va encore nous accompagner là-dessus. C'est autre chose l'intelligence artificielle. Mais elle va être dans les boutiques, pour le choix, pour le conseil, pour créer des nouveaux objets virtuels. On ne va pas les créer qu'avec des designers physiques, on va créer avec des designers physiques et des intelligences artificielles. Donc c'est un mélange de tout ça qui va faire que ça va fonctionner. Ouais, on fera demain ensemble une interview vraiment dédiée sur les opportunités pour les marques et pour le retail du métaverse. Mais on sait toujours pas pourquoi ça s'appelle 3h33. Ah. Il y a 33 raisons, mais je vais pas te les donner tout de suite. Bah pourquoi, mais je vais t'en donner une. Il y a quelques années avec nos étudiants, on avait fait une étude pour savoir à quelle heure était le prime time de l'Internet. À quel moment le monde est le plus connecté et peut regarder un message d'une marque. Eh bien, 3h30, c'était vraiment l'heure à laquelle ça ne tiendrait plus aujourd'hui parce que j'ai fait ça il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, donc j'avais pris cet horaire qui était un peu sympa. C'était le prime time de l'Internet de l'époque. Oui, puis ça interpelle 3h33. C'est le genre le réveil la nuit au moment où aussi, tu fais ton insomnie qui est à 3h33. Et l'autre raison, c'est que tu t'en souviens. Voilà, absolument. Ce qui compte en fait. En tout cas, je vous encourage à passer voir Alexandre sur son stand de 3h33, ne serait-ce que pour voir Alexandre et pour voir le chat qui est le poster qui est derrière lui, dont je suis tombé fou amoureux. Et on se retrouve demain pour l'interview sur les métaverses et les NFT et surtout l'importance pour le retail et pour les marques. Bien sûr. Alexandre. Merci Christian. Bonne journée, ciao. Cobrands, le salon incontournable, le 30 et le 31 mars, à Paris, en France, au bord de la Seine, là où il y a les JO. Enfin, vous trouverez.